Salut tout le monde, on se trouve sur Saint Seiya, le nouveau jeu, Shin Soldier, je sais pas comment on prononce exactement, Shin Shoulder, Shin Soldier, enfin bref. Je mettrai dans le lien de la description l'APK, le lien de l'APK plus le mot de passe, parce qu'une fois que vous êtes sur le site du lien, ben, ils vont vous demander un mot de passe pour télécharger l'APK. Donc j'ai fini le téléchargement, l'APK marche super bien sur l'émulateur, donc le temps qu'il soit disponible sur les réseaux, enfin sur quand je dis sur les réseaux, c'est bien sur Play Store, App Store. Donc on y va directement, on va tester ça. Je viens de finir le téléchargement. On va choisir le nom. Me suis un peu raté. Bon, je vous dis dès le début que je compte pas travailler ce jeu, c'est juste un test parce que c'est un nouveau jeu sur cette licence. Quand même une assez grande licence qui est quand même Saint Seiya. Donc, je remets le son du jeu parce que le son est vraiment intéressant. Je crois que c'est l'un host ou opening de la série. On part directement invoquer. Enfin, invoquer. Voir ce que les invocations donnent. Je sais pas si on peut faire un reroll à l'infini. Déjà, je sais même pas si ça c'est une invocation. Ok. Je pense que c'est un truc simple ça. En fait, il n'y a même pas de. Il n'y a même pas de rareté sur les personnages, que ce soit en étoile ou en SR, SSR ou quoi. Donc, appuyez sur retour. Ah, donc c'est pas un reroll à l'infini. Enfin, c'est pas une invocation à l'infini. Donc, équipe. On va aller récupérer tout après. Éveil de constellation. Bon, éveil, awaken. Amélioration, armure const. Ok. Donc, composition d'équipe. Bah, ça, c'est le personnage free to play. Auto. Validé. Ok. Donc. Je pense que. Le personnage que j'ai eu. Parce que là, je reconnais pas encore bien les personnages. Vu que déjà de base, le manga, l'anime, je ne me connais pas trop très bien dessus. J'ai pas de grosses connaissances là-dessus. Que dire? Bon, on va aller faire quelques petites quêtes. En fait, il y a un tuto pendant le téléchargement où il vous montre un peu le gameplay pendant le combat. Donc là, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc, je pense que pour l'amélioration des personnages, on peut aussi les améliorer via les invocations, pas seulement grâce aux ressources qu'on gagnera in-game, enfin pendant les quêtes, pendant les missions. Ok, donc on sélectionne des personnages dans la team qu'on a fait avant en fait, qu'on a fait pendant. Dans le truc de l'équipe, dans l'onglet d'équipe. En fait, il m'oblige à jouer avec les personnages du début. Bon, c'est pas grave. Bon, ça sera une vidéo rapide pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le gameplay. En soi, c'est un gameplay très simple, tour par tour, qui mélange Saint Seiya et DB Legend en termes de gameplay, bien sûr. Quand je dis DB Legend, c'est au fait qu'on est trois sorts comme ça là. En fait, à chaque fois que vous lancez une attaque, ben, la jauge de l'attaque, ben, charge.
pour faire plus de dégâts, un peu comme sur Nanatsu no Taizai. La musique est un peu trop forte. Oui, c'est ça. Donc, weak, awake, weak, je sais pas comment le dire, faible, enfin faible. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un mode auto et un mode rapide. Donc, 14 700 pour un personnage de free to play. Ça va, hein? Donc en soi, les dégâts peuvent aller largement plus haut, 10 fois voire 20 fois plus. Ok. Là, normalement, on a bientôt fini les tutos. Ok, on passe tout ça parce qu'on connaît un peu le but des gachas maintenant. Passer la vidéo, on s'en fout. On n'est pas là pour faire joli joli. Donc voilà, là on commence à récupérer les récompenses quotidiennes. Donc voilà, attendez. Ok. Invocation, menu, marché, annonce. Si nous disent qu'on n'a pas de récompense pour le lancement du jeu, c'est tendu. On va aller voir combien ça coûte une invocation. Tout récupérer. Ça fait un peu peur, hein. Ah, 17 cadeaux. On va voir. C'est quand même pas les cadeaux des missions qu'on vient de finir. Ben, ça m'a l'air. Ah non, c'est bon. Ok, impeccable. Impeccable. Donc, tout récupérer. Faut voir les différentes animations pour les persos rares. Ok, pour les persos rares et donc perso normal, perso rare et ultra rare. Donc on va aller invoquer directement pour ce que cela donne. Pour le moment, attends, il y en a deux. Ok, donc invocation du jeu progressif, encore 19 jours. Donc on va tester. Donc normalement, on a même pas assez pour le full step up. Bah, en vrai ça va déjà. Là on a pas mal de. Déjà c'est pas mal. Il nous donne énormément d'invocations pour le début. Ok. Là c'est l'animation basique, hein. Je pense. Ok. On continue juste pour voir un peu le délire des personnages, le délire des invocations. Toujours la même invoque. La musique est juste incroyable, hein. Moi, je pense que ça, tout ce que je viens d'avoir, c'est des personnages SR. Hein. Ah!
un nouveau Saint Seiya. Par contre, on connaît pas les raretés du personnage, c'est ça qui est dommage. Celui-là, je pense qu'il est bon. Je pense que c'est selon l'artwork en fait qui m'a l'air pas mal. Bon, déjà, lui, le bleu, c'est sûr, il est pété. Niveau de compétence supérieure. Première phase, Seiya de Pégase. En fait, détail. Rang bronze. Ok, c'est selon le rang de bronze. D'accord. On va aller voir les autres avant de lancer la prochaine invocation. Celui-là, j'ai vu aussi, il est pas mal. J'avais fait comment? Détail. Bronze aussi. Bon, on va continuer à invoquer. Parce que j'ai vu qu'on avait des chevaliers d'or. Ça serait pas mal de voir ce que ça pourrait donner. Enflamme ton cosmos, ouais. Bon, toujours là, les invoques. Oh! Yes! Multi-invoque! Enfin, SSR garanti, on va dire. SSR garanti. Nouvelle animation, SSR garanti. Là, c'est une bonne invoque. Pouah, ça, c'est beau. Ça, c'est une très belle. Enfin, c'est rond argent, mais c'est pas mal. J'attends de voir si on aura un rang d'or. Là, ce qu'on a vu, c'est que des personnages SR, à part les deux persos du début. Hein. Donc. Attends, on vérifie avant que je dise n'importe quoi. Normalement, ça c'est rang argent. Non, c'est toujours bronze. En fait, je comprends pas. Je comprends pas le système en fait. Là, le système, je comprends pas. Oh. En fait, j'allais dire selon. Vous savez quoi? Normalement, il doit y avoir la liste de personnages. On va aller voir ça tout de suite. Invocation, équipe, menu, marché, mission, autre, cadeau, détail du joueur, objet. Équipe. Donc, éveil de conservation, inventaire. Position d'équipe. Ah, c'est ça le rang. Rang A. Non? Ah non, ça c'est la classe. Filtré. Attribut, classe, soutien. Non, c'est pas ça qu'on veut. Obsession, auto, tout enlever. Donc attaque, ça c'est quoi? Niveau de guerrier, rang du guerrier. Ouais, c'est donc bien par rang du guerrier. Attends, ça c'est quoi? Détail. Bronze. Bon, ce personnage-là, a priori, tout le monde va l'avoir. Hein, vu le nombre de fois que je l'ai eu. J'ai pas eu la même animation. Je sais que pour ce personnage. On va fermer ça. Je sais que pour ce personnage, en fait, je sais d'avance que c'est un personnage rare. Et le truc, c'est de quelle rareté, en fait. Attribut bloqueur. Donc lui, c'est B. Donc lui, ça doit être un tank. Après, ça doit être un tank. On va voir s'il y a écrit B quand je le mets. Rang A.
Attends, on va mettre auto. C'est vrai que ce personnage, je l'ai eu tout à l'heure, donc ça c'est. En fait, je comprends pas le système bronze. Ça, je pense, c'est après l'amélioration du personnage, l'éveil. Ça, c'est les personnages. En fait, c'est débile, en fait. Je comprends rien au système. On va mettre ça en A. Il n'y a pas un petit composition d'équipe, il n'y a pas un petit point d'interrogation, genre help, pour savoir comment ça marche. Parce que là, je sais que j'ai des bons persos. Ceux-là, je sais qu'ils sont bons. Celui-là aussi. Celui-là, je sais pas trop, je pense. Grade. Croissant. Je comprends pas en fait. Le niveau de rareté. Je vais aller dans les invocations pour comprendre un peu mieux. Alors, annonce. Cette vidéo, elle sera un peu longue. Donc, on va voir un peu les personnages qu'il y a. Ça, y a du, ça, je sais, on l'a capté. On enlève ça. Genre là, il n'y a qu'une annonce? Ah non. C'est ça que j'avais fait. En cette étape. Donc. Donc c'est selon la couleur. C'est selon la couleur de l'équipement. S'il est basique, s'il a pas une armure spéciale, c'est qu'il est pété. S'il est en argent, c'est que c'est un SR. Et si c'est en armure d'or, c'est que c'est un bon perso, donc SSR. Un peu bizarre leur façon de faire. Donc équipe, on retourne armure. En plus, il y a aussi des équipements. Ben, on est mal barré. On est mal barré. Parce qu'on sait même pas quel perso est bon a priori. Donc là, a priori, j'en ai deux. Lui, j'ai réussi à l'avoir dès le début, je sais même pas comment j'ai fait. C'est le personnage. C'est ce personnage-là. En soi, je crois que j'ai eu la meilleure compo. Non? C'est incompréhensible. Il n'y a pas de taux de drop, il n'y a rien du tout en fait. Aucun taux de drop, pas de rareté de personnage. Faut comprendre tout par nous-mêmes. Je comprends rien. Attends, on va retourner là. Donc ouais, c'est bien selon la couleur de l'équipement. Enfin, la couleur de l'armure. Un peu bizarre. Un peu bizarre tout ça. On va aller tester les personnages. Aline, Chronique, Cosmos. Je crois que c'est ça pour le mode histoire. Ouais, c'est là. Chronique du Cosmos. Le lieu d'entraînement, ça, je pense, c'est pour améliorer. Ouais. Ça, c'est pour améliorer les personnages, donc on s'en fout pour le moment. On va faire le mode histoire un peu juste pour comprendre le système.
Parce que là, moi. Choix des guerriers. On va prendre ça, ça. Pour commencer, on va faire ça. On va voir ce que ça donne. Parce que là, en soi, j'ai eu le meilleur perso. Ok. J'ai eu le meilleur perso sur le truc en vedette. Je pense que tout le monde va l'avoir. Après, j'ai eu un deuxième perso qui est pas mal. Ouais, c'est donc selon la couleur de l'armure. Je le répète pour être sûr en fait. Pour les personnes qui n'ont pas compris. Donc là, pour changer de personnage, juste on appuie dessus. Non, on va prendre ça. Ah, donc quand on switch, ça nous fait perdre le tour. D'accord. Envol du dragon. En vrai, l'attaque est vraiment pas mal. Après, c'est dommage que ça reste des trucs simples en fait. Bon, on va passer un petit peu plus vite parce que c'est long. Je vais tester ce personnage, mais ça va switch. Ça va switch? Ouais, c'est sûr. Donc, quand on change de personnage, ça switch. Ça considère comme un move. Qu'est-ce qui est tank par contre? On va faire ça. Oui. Oui. Ouais, c'est pas mal. En vrai, j'ai un très bon compte dès le début. C'est juste que je comprends pas le système de rareté en fait. Je comprends. Enfin, j'en suis pas sûr du système de rareté. Il m'a lancé son attaque spé. Il m'a fait mal. Il a une bonne esquive ce perso. En fait, là, faut faire rapidement la tier list. Donc. Ok, c'est pas mal. Il reste un perso. Ah, donc, quand on tue un joueur, enfin, quand on tue un adversaire, on peut continuer à enchaîner derrière. D'après ce que je crois. Parce que j'enchaîne directement. Ou c'est le fait qu'il switch de perso qui me fait. Bon. Ce sera tout pour cette vidéo. C'est un petit test. La tier list sera vite fait bientôt. Enfin, je l'espère parce que c'est dur à comprendre un peu. Faut que j'améliore mes personnages. Bon, ça sera pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fera énormément plaisir. Et on se retrouve à de très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.